Tous. Merci de votre participation. Recording Je is tiens à vous on. remercier tous d'être là ce soir, enfin cet après-midi, pour la gamification, notamment en langue vivante. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe de Ludovia pour leur invitation et je remercie aussi mon technicien Virgile Mangiavillano du lycée Saint-Benoît d'Istanbul qui est là pour me soutenir dans cette tâche ardue et pour enregistrer la conférence et suivre le chat. Donc, on va sans plus tarder commencer à passer à la présentation. Alors, attendez, là, au niveau du partage d'écran, est-ce qu'on est bon? Ouais? Ok. Super. Alors, donc, on va parler de gamification aujourd'hui, gamification semi-numérique. Ma présentation se fera en trois parties, donc qui correspondent aux trois dialectiques qu'il y a dans le titre, donc entre jeux classiques et jeux vidéo, compétition, collaboration, présentiel et distanciel. Donc ces trois dialectiques qui sont a priori difficiles à réunir, d'où le terme semi-numérique. Donc dans la première partie, on va parler des jeux classiques, donc plutôt jeux de société et des jeux vidéo. Donc en gros, sur quel mécanisme s'appuyer pour stimuler, captiver et faire progresser les élèves. Deuxième partie, on verra comment est-ce qu'on peut faire collaborer les élèves et insérer une petite dose de compétition pour les stimuler, à travers la gamification bien sûr, donc par exemple par un système de vote ou de jury. Et dans la dernière partie, ben, on va parler évidemment du distanciel puisque le contexte du Covid nous a un peu tous poussé. Donc quelles solutions pour assurer la continuité d'un enseignement basé sur la gamification et le semi-numérique. Donc je me présente Clément Périat, donc je suis professeur d'anglais, je suis aussi coordonnateur langue vivante, donc quatre langues, anglais, espagnol, italien, allemand, aussi coordonnateur éducation aux médias, EMI, donc vous pouvez voir le logo en forme de triangle de la Triforce sur l'écran peut-être. Je suis aussi coordonnateur Erasmus+, sur un projet dont je vais reparler tout à l'heure, sur six pays qui s'appelle ISTAF, c'est un projet cinéma. Et enfin, pendant 7 ans, j'ai mené un accompagnement éducatif spécifique à l'anglais qui s'appelle English and Games, où on faisait des stages d'anglais oral par le jeu et que j'ai aussi développé en classe entière. On va pas mal parler de ce retour d'expérience aujourd'hui. Alors mon positionnement par rapport au thème de l'édition de cette année, donc j'ai commencé par faire des jeux de société en classe en résistance au numérique. Donc mon idée, c'était de me reconnecter vraiment à l'aspect société des jeux de société, me reconnecter au vivant pour créer de l'échange en langue vivante. Face à la tendance à la dématérialisation, je suis plutôt passé dans la rematérialisation, donc avec des cartes, des pions, des dés, des sabliers, des plateaux de jeu. Et j'ai développé aussi en langue vivante beaucoup la théâtralité, donc comment mettre en place le geste et la voix. Donc, ça aussi, on va en reparler tout à l'heure. Réaliser que j'ai démarré mon timer, je vais le faire maintenant. Plus tard, quand j'ai monté mon projet Erasmus sur le cinéma, j'ai fait évoluer ma pratique. Donc, le numérique, c'est devenu un outil de création, donc un outil vidéo, avec un objectif disciplinaire qui est d'apprendre l'anglais et le patrimoine culturel, puisque il faut, disons que chaque établissement doit tourner un film chaque année sur le patrimoine culturel en anglais. Et avec tous ces films, on crée un festival de films à la fin. C'est l'objectif de mon projet Erasmus. Bon, avec le Covid, c'est un petit peu problématique en ce moment, vous vous doutez bien. À travers l'éducation aux médias, on a aussi questionné avec un collègue d'histoire les apports du jeu vidéo dans l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le jeu vidéo qui peut permettre de créer des jeux sérieux ou des jeux de société semi-numériques? Donc, je vous ai déjà présenté les parties. On va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par la théorie. Je vais essayer de faire le plus vite possible pour vous montrer le plus possible d'exemples concrets. C'est bon au niveau du chat, toi? Donc, quels sont les avantages du jeu, de la gamification en classe? Donc, le jeu, ben, il y a trois axes principaux. Donc, déjà, il y a une dimension cognitive et émotionnelle à la fois. Donc, le jeu, ça suscite un engagement personnel et ça fait aussi réfléchir à travers des mécanismes et une stratégie qu'il faut mettre en place. Le jeu, c'est aussi une somme de signifiants, donc il porte un message, et c'est aussi un objet culturel, c'est-à-dire qu'il est ancré dans un espace-temps, et ça peut ouvrir à une étude pluridisciplinaire. En fait, souvent, je compare le jeu de société à une œuvre d'art. Il y a une tension entre une ambition qui serait purement esthétique et une ambition qui serait purement historique ou culturelle. Et en dernière partie, le jeu, ça crée aussi une illusion collective, un peu comme une pièce de théâtre ou un film, c'est-à-dire qu'on se met tous ensemble autour d'une table et on rentre dans un univers. Et ça, au sein de la classe, ça peut être un vrai avantage. Il y a aussi des aspects négatifs. Donc, à l'heure actuelle, au niveau de la gamification,
Ce que j'ai pas mal remarqué, notamment pendant le confinement, ce qui était proposé, c'est que souvent les jeux de société en classe, c'était des évaluations qui étaient déguisées. Donc on a beaucoup recours au quiz ou au QCM sous forme de jeu. Et ce qui fait que le jeu arrive plutôt à la fin d'une séquence pour évaluer les savoirs et les savoir-faire. Donc il ne sert pas vraiment les apprentissages et il a un aspect un peu élitiste, c'est-à-dire qu'il n'y a que les élèves qui vont avoir appris leur leçon ou qui vont avoir maîtrisé, qui vont pouvoir participer efficacement au jeu. Je vais vous montrer un exemple de Kahoot que j'ai utilisé pour l'apprentissage des verbes irréguliers et j'ai remarqué dans ma pratique, donc au retour du confinement, que les élèves qui n'avaient pas appris leurs verbes irréguliers se trompaient et quand on refaisait les mêmes questions 10 minutes plus tard, refaisaient les mêmes erreurs systématiquement. Donc l'évaluation sous forme de QCM et de quiz ne sert pas vraiment les apprentissages, en tout cas pas à l'heure actuelle. Ensuite, je voudrais revenir rapidement sur les acceptations du terme jeu. Donc plutôt que game, je préférais le terme play en anglais. Donc vous avez d'une part le jeu de société qui est plutôt compétitif, donc où on va mobiliser des compétences pour gagner. Il y a aussi l'aspect jeu de rôle qui est plutôt collaboratif, où on va échanger entre pairs, prendre des décisions ensemble pour atteindre un objectif commun. Par rôle, j'entends aussi la différenciation où chaque élève va jouer un rôle bien précis. C'est pas forcément sous forme de jeu de société, mais ça peut être jouer le rôle d'un journaliste ou jouer un acteur justement pour tourner un film. Il y a aussi le jeu théâtral où on va replacer le geste et la voix justement. Donc on va replacer le corps pour communiquer dans la classe parce que je vois mal apprendre une langue vivante derrière un écran. Si c'était possible, ça se saurait. Et enfin, il y a le jeu sérieux, donc le serious game, qui est par essence solitaire, où là, effectivement, l'élève est face à son écran. Mais il faut voir quels apports, l'expérience utilisateur peut nous apporter pour captiver et guider l'élève à travers son apprentissage. Donc, première partie, donc, entre jeu classique et jeu vidéo. Donc, on va beaucoup s'appuyer sur la scénarisation du jeu vidéo et des serious games pour construire le jeu de société ou construire des jeux pour la classe ou des situations qui vont mettre en pratique la gamification. Donc j'ai relevé 3-4 points clés sur lesquels on s'appuyait pour la conception de ce genre d'activité. Donc déjà, il faut susciter la prise de décision, mettre en place des mécanismes de rétroaction. Quand l'élève fait quelque chose, il se passe quelque chose. Et aussi des bonus et des récompenses pour créer donc de la motivation et de l'interaction, du score, des étapes, des niveaux de progression également. Il y a aussi tout un côté automatisation dont on peut tirer parti à travers le numérique. Donc, automatisation de calcul des scores, de calcul des dégâts dans un combat, par exemple, et des événements aléatoires aussi, ce qui permet de maintenir la concentration de l'élève. Et enfin, dernier point qu'on trouve pas mal dans le jeu vidéo, c'est tout ce qui est aide contextuelle, démo et tutoriel, qui permet donc une approche plutôt différenciée de l'activité. Donc, ça suffit pour la théorie, je vais tout vous montrer maintenant des exemples pratiques et des retours d'expérience. Donc, je vais vous présenter un jeu composite, donc jeu hybride hein, qui s'appelle Dungeon Master. Donc là, en distanciel, je ne peux pas vous montrer vraiment la boîte de jeu puisqu'il existe en version dure avec des cartes, des pions et des dés. Mais je vais vous montrer comment j'ai passé un jeu donc de type carte et pions au format numérique, semi-numérique et qui contient vraiment la base de mon enseignement en langue vivante. Donc, on va lancer l'application qui est faite sous Geniali. Donc, j'ai pas mal utilisé les outils Scape pour ceux qui connaissent, qui permettent vraiment une diversification des Geniali. Alors, je vais le mettre en plein écran, ce sera peut-être mieux. Tac. Donc, dans chaque Geniali que je fais toujours une version en classe et une version à la maison pour le distanciel. Donc, on reviendra sur la deuxième version tout à l'heure. Donc au niveau du training, donc de l'entraînement. Donc là, je vais vous faire une brève présentation du jeu. Donc voilà, le jeu se passe dans un donjon. On déplace un groupe de héros à travers le donjon. Il y a des obstacles. Donc on arrête le pion sur les obstacles et on clique dessus pour résoudre l'obstacle. Après, je vous montrerai comment ça se passe. Et pour ça, il faut utiliser des héros. Donc les héros, ils sont incarnés par deux élèves. Il peut y en avoir trois. L'objectif du jeu est de ramasser le maximum de trésors. Donc, à chaque fois qu'on tombe sur un trésor, on ouvre et il y a un trésor à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs niveaux, plusieurs écrans. Donc, à chaque fois qu'on arrive à une sortie, on clique pour changer de pièce. Et à la fin, on arrive à la sortie. Donc, le jeu, il se joue véritablement à trois ou quatre joueurs. Donc, il y a le Dungeon Master qui va déplacer le groupe.
les héros qui vont endosser un rôle et l'aider à passer les obstacles. Et vous avez le reste de la classe qui est en spectateur, mais qui est quand même actif. Parce que le reste de la classe ne sait pas, ne connaît pas l'identité des héros et vont devoir deviner, en fonction des obstacles qui ont été franchis, qui ils sont. Donc, tout le monde a quelque chose à faire pendant la partie. Donc, avant de jouer, il y a une phase où il va falloir apprendre le vocabulaire et comment on joue. En fait. Je vais vous montrer, par exemple, comment est-ce qu'on apprend le nom des objets et des attributs des héros. Donc, à chaque fois, mais cette phase se déroule toujours de la même manière. D'abord, il y a une phase de mémorisation. On démarre. Donc là, vous avez tous les attributs. Donc là, vous avez en bleu les attributs qui fonctionnent avec le verbe être. Donc ça, c'est quelque chose que je fais en sixième. C'est vraiment pour... Et en bas, vous avez le verbe avoir. Donc tous les objets qui sont possédés. Donc on fait répéter les élèves en cliquant sur l'objet. Je ne sais pas si ça s'entend du coup en distanciel. C'est pas sûr. Athletic. Ouais, on l'entend. Donc les élèves vont répéter le nom de chaque mot. Une fois que c'est fait. On passe à la suite. Et là, il y a une phase de mémorisation où on laisse pendant à peu près une minute mémoriser tous les mots-clés. Donc, on va évidemment pas attendre une minute. Une fois que c'est fait, on fait un récap et là, on envoie quelqu'un au tableau. Donc, la classe va dire un mot, par exemple « gold », et l'élève qui est au tableau va devoir toucher sur l'écran le mot qui correspond à ce que le reste de la classe a dit. Donc, par exemple, si je dis « intelligent », l'élève va devoir toucher ça. Si je dis strong, il va devoir toucher ça. Si je dis a key, il va toucher ça, etc. Dans un deuxième temps, on refait une phase de mémorisation et de répétition. Toujours. Donc, on répète à nouveau chaque mot avec la jolie voix de Talia qui est en fac d'anglais. A sword. Ça change de la voix du prof. Ça aussi, c'est assez important de demander à quelqu'un de s'enregistrer pour que ce soit une autre voix que la vôtre. Ça les change un petit peu aux élèves. Et là, on mémorise, mais pendant moins longtemps. Et après, là, on envoie deux élèves au tableau pour un challenge. Et c'est à eux de toucher chaque mot qu'ils disent. Donc, par exemple, il y en a un qui va dire « a harp » et il va toucher « a harp ». L'autre va dire « a bow » et il va toucher « a bow ». Et là, on peut ajouter des scores, on peut compter les points. Si un élève se trompe, il est éliminé, on envoie quelqu'un d'autre. Donc, il est possible vraiment de gamifier cette phase d'apprentissage du vocabulaire de base. Une fois que c'est complet, eh ben, on peut faire une petite application style guessing game. Par exemple, il y a un élève qui prend un héros au hasard et qui va devoir faire deviner à la classe quel héros il a pris. Là, on peut ajouter des aides. On peut faire apparaître ou disparaître. Donc, un élève va par exemple se décrire et va dire « I am strong, I have got an axe » et le reste de la classe va devoir deviner que c'est le dwarf, le nain. Donc ça, c'est le premier type de jeu qu'il est possible de faire. Après, il y a vraiment le jeu en lui-même. Donc, vous avez une phase d'apprentissage que je vais zapper pour l'instant, mais où chaque qualité, chaque objet est relié à un obstacle du donjon qu'il va falloir passer. Alors, attendez, je vais vous montrer comment se passe ici. Alors là, en distanciel, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il me faudrait les tablettes pour que vous voyez ça. Donc, le jeu normal. Donc, vous avez quelqu'un qui va faire Dungeon Master, des héros et des spectateurs. Donc, ceux qui ont des smartphones peuvent flasher le QR code pour se connecter à l'application dédiée. Alors, au niveau du Dungeon Master, ça se passe comme ça. Donc, vous avez un petit écran de chargement, un peu rétro gaming. Et donc, voilà, vous déplacez, le Dungeon Master va déplacer le pion sur le plateau de jeu, tombe sur un obstacle. Là, l'obstacle, par exemple, ça va être « kill the guard », tuer les gardes. Il va demander aux deux héros qui ne voient pas, les deux héros ne voient pas ce qui se passe sur le plateau de jeu. Hein. Donc, il va leur demander « can you kill the guards ?» Ils répondent oui ou non. Ben, s'ils répondent oui, on clique sur ça. Et après, ils lancent le dé. Donc, ils peuvent quand même échouer, même s'ils ont dit oui. Donc, au plus le score est élevé, au plus les chances de gagner sont élevées. Donc, par exemple, 1m5. Et là, l'obstacle est levé, ils peuvent passer pour accéder à un trésor. Par exemple, là, de Green Gem, pardon, que le Dungeon Master va attribuer à l'un ou l'autre des héros. Donc, je peux changer d'écran, par exemple, pour vous montrer un petit peu la suite. Il y a plusieurs niveaux. Après, les obstacles deviennent un peu plus difficiles. Là, par exemple, on peut imaginer que aucun des deux héros n'est capable de bloquer le piège. Donc, il faut qu'ils fassent un super score pour passer. S'ils échouent,
eh ben, ils perdent un point de vie, par exemple. Donc là, on va leur enlever un cœur à un des deux héros. Bref, voilà comment ça se passe, et on fait ça jusqu'à la sortie du donjon. Et à la fin, on compte les points, le nombre de trésors, etc. Alors, je vais quand même vous présenter l'interface héros. Donc, les héros sur leur tablette. Alors, les héros peuvent tout à fait piocher une carte. Hein, c'est pas une carte papier, c'est pas un problème. Les spectateurs peuvent tout à fait avoir une worksheet sur lequel ils vont cocher les héros qui pensent quel héros qui est qui. Mais l'avantage, c'est que on va pouvoir essayer d'individualiser des tutoriels. Donc là, on tire un héros aléatoirement, on tombe sur la sorcière. La sorcière, elle est intelligente et elle a une harpe. Là, c'est tous les trésors que les héros ont ramassés. Vous avez un dé qui est intégré, donc là qu'on a développé avec les outils Scape, que je remercie ici à nouveau. Donc, par exemple, je lance le dé. Hop, il y a 5. Là, par exemple, si le Dungeon Master donne le staff à la sorcière, ben, elle va cocher staff ici. Et là, vous avez une aide en direct. Donc, si je clique dessus, je sais exactement que Intelligent me permet de bloquer le piège et que Harp me permet de charmer le dragon. Donc, l'aide va apparaître pendant 20 secondes et elle peut être utilisée 5 fois. Sachant que à la fin de la partie, on peut retrancher en score le nombre d'aides utilisées. Si, par exemple, le joueur a utilisé 5 fois l'aide, eh ben, on enlève 5 points à l'équipe. Tout simplement. Donc, je reviens un peu à ma présentation. Donc, Dungeon Master, c'est une application que je développe depuis assez longtemps, mais j'ai aussi fait l'équivalent en anglais professionnel que j'utilise en SECPA, qui s'appelle Workshop Master. Je vous présente rapidement comment ça fonctionne. Donc là, effectivement, au lieu d'avoir des elfes, des chevaliers et des sorcières, vous avez des métiers du bâtiment. Donc, le maçon, le charpentier, le couvreur, etc. Donc, ça, c'est un jeu qu'on a développé avec les profs de PLP. Donc chaque, alors là c'est un peu plus simple, on n'utilise que le verbe être. Donc vous avez les 6 qualités nécessaires à la réalisation du chantier, qu'on apprend par cœur par le même système de mémorisation que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là vous avez le premier guessing game où les élèves vont faire deviner quel métier ils ont en fonction des qualités qu'ils ont. Dans un deuxième temps, vous avez les actions à réaliser sur le chantier. Donc de réaliser une action. Donc ça, on le fait mémoriser pendant une heure de cours. Et en tout dernier, on fait partie du jeu où le chef de chantier doit déplacer un pion sur un labyrinthe. Et à chaque fois qu'il s'arrête sur un obstacle, il va demander aux deux ouvriers, est-ce que vous êtes « Can you run the machine ?» Pouvez-vous lancer la machine ? Et les autres vont répondre oui ou non. Et les spectateurs, derrière, vont devoir deviner les métiers des élèves participants. Il est possible de jouer en mode aléatoire où c'est le chef de chantier qui va décider des obstacles. Sur Dungeon Master, on peut faire ça aussi. Donc voilà pour le Workshop Master. On va passer donc à la deuxième partie, donc entre compétition et collaboration. Là, je vais vous présenter un petit peu des exemples de jeux que j'utilise dans mes ateliers, mais aussi en classe entière. Donc, ces jeux, ils sont basés sur information gap, c'est-à-dire le déficit informationnel. Dans l'idée, c'est qu'il y a un élève ou un groupe qui possède une information que l'autre n'a pas, ce qui oblige un groupe à poser des questions, en tout cas à communiquer. Donc, tout ça, ça permet d'évaluer un savoir-faire. C'est par exemple le présent B+ing, je dis ça au hasard, ou le passé. Et il y a une possibilité d'enrichissement lexical, comme tout à l'heure Dungeon Master, on apprend les noms des armes, on apprend des nouvelles qualités, on apprend des nouveaux verbes. Donc, je vous montre un petit peu quelques exemples de ça. C'est en train de charger. Donc, en gamification, donc par exemple, là, vous avez les jeux de type quiz, donc j'en parlais tout à l'heure. Donc là, par exemple, vous avez un jeu de type juste prix, où vous avez des records, donc par exemple, quelle est la vitesse plus rapide d'un jaguar, et bon, ben, il y a la réponse, c'est un nombre, et l'autre groupe, il y a un groupe qui possède la réponse sur une carte, et l'autre groupe va proposer une réponse, par exemple 100, et on va dire faster ou slower. Donc ça fonctionne plutôt bien, même avec des petites classes pour réviser les nombres. Vous avez aussi des jeux de type quiz avec donc toutes les réponses possibles. Donc là, par exemple, un jeu type code de la route et les élèves doivent choisir la réponse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en classe virtuelle. Quand vous verrez ce logo, ça veut dire que le jeu est compatible en classe virtuelle. Donc on se met sur le chat, on dit aux élèves, bon ben, choisissez la réponse A, B ou C. Et puis à 3, tout le monde appuie sur Entrée et on vérifie les réponses. Vous avez des jeux de type carte, donc là ça ne marche qu'en présentiel évidemment, c'est plutôt pour réviser le vocabulaire. Donc l'objectif c'est de faire des paires, de demander à la face,
Have you got a cat, par exemple, et l'autre va dire yes ou no. Et s'il dit yes, il donne la carte. C'est tout simple. Vous avez également des jeux de type guessing game. Donc ça, c'est ce que j'ai le plus utilisé en classe virtuelle. Donc vous avez un écran où vous avez une dizaine d'images comme ça, et sur chaque image, il y a des situations. Donc l'élève qui pioche une image ou pioche un nombre entre 1 et 12 va devoir décrire ce qu'il voit. Par exemple, l'image 6, the dog is behind the table, the mouse is in the cage, the cats are behind the chairs. Et donc pour réviser les prépositions de lieu. Le reste de la classe doit deviner de quel chiffre il s'agit. Et dans un deuxième temps, on peut aussi le faire en question-réponse avec quelqu'un qui pose les questions. Where is the dog? Where are the cats? Et l'autre qui répond. On peut le faire aussi en vrai ou faux. Par exemple, the dog is behind the table. L'autre va dire yes ou no. Donc ça, c'est vraiment les guessing games. On peut introduire une dose de culturel dans les guessing games. Là, vous avez un exemple avec, par exemple, les types de maisons en Angleterre, les detached house, semi-detached house, terraced house, un sur le thème de Sherlock Holmes et un sur le thème des monuments qu'il y a dans les grandes villes du monde. Donc, suite à ça, il est possible de faire des recherches sur ces monuments. Par exemple, on va dire quel est le nom de la Clock Tower à Londres. Évidemment, c'est Big Ben. Et on va leur demander de faire des recherches sur la date de la construction, où est-ce que ça se trouve à Londres. Donc, c'est possible à travers ces jeux de créer une ouverture et une recherche documentaire derrière. Vous avez aussi les jeux de type Cluedo. Donc, celui-là, c'est tout simplement, on travaille sur la description physique des suspects et le lieu du crime, préposition de lieu, savoir où se trouve l'arme et où se trouvent les sacs. Par exemple, Cluedo, ça marche toujours plutôt bien. Là, vous avez un jeu de type shooter. Donc, en gros, on projette une situation au tableau. Donc, ils ont une espèce de pistolet à fléchette. Il y a un élève qui a une carte qui va décrire ce qu'il voit sur la carte. Donc là, par exemple, la description physique du suspect, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, sa corpulence et ce qu'il est en train de faire. Donc, l'élève doit tirer. Il a qu'une seule balle et il peut aussi se rater. Il peut viser à côté. Donc, ça peut créer un autre challenge. Celui de bien viser. Par exemple, ça, c'est aussi quelque chose qui plaît bien aux élèves. On les fait passer en binôme, on inverse les rôles et on fait passer un autre groupe en une heure. Toute la classe peut passer sur une activité comme ça. Ça, c'est assez stimulant. Donc, toujours dans le placement du corps et de la voix, donc vous avez des jeux de type théâtre. Donc, dans celui-là, on va mimer des scènes de crime. Donc, vous avez deux crimes possibles. Le premier, c'est soit un hold-up, soit un meurtre. Donc, les élèves jouent ça à deux. Il y a un meurtrier et une victime. Ils doivent mimer ça devant la classe. Et il y a plusieurs endroits dans la classe. Donc, il y a quatre posters là qui sont représentés par un pub, un parc, soit de jour, soit de nuit. Donc, ils vont se placer à un endroit précis de la classe pour mimer ça. Et les détectives, eux, ils sortent de la classe, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Et le reste de la classe qui est spectateur joue le rôle de témoin. Donc, quand les détectives reviennent dans la classe, ils doivent leur poser des questions. Où est-ce que ça s'est passé? Qui est-ce que c'était? Est-ce que c'était un homme ou est-ce que c'était une femme? Est-ce que ça s'est passé le jour ou la nuit, etc. Et donc ça, c'est des parties qui sont très rapides et qui permettent de faire tourner les groupes rapidement. Donc toujours dans le théâtre et le mime, donc ça c'est pour le projet cinéma Erasmus dont je vais reparler tout à l'heure, pour travailler sur la personnalité des personnages dans un film, pareil, on les met en scène à travers le théâtre. Les élèves vont dire un petit dialogue très simple, I love you, good morning, et vont devoir le dire d'un ton suffisamment convaincant pour que le reste de la classe devine de quelle personnalité il s'agit. Vous avez aussi des jeux de type bataille navale, donc ça c'est vraiment pour travailler sur le vocabulaire. Donc on pose une question à l'autre qui va dire oui ou non, on coche, si c'est raté c'est non, si c'est touché c'est oui. Vous avez aussi des jeux de type mise en situation, donc c'est toujours des guessing games, donc ça permet par exemple de mettre en scène un serveur et un client. Donc le serveur va proposer par exemple du jus d'orange, le client va accepter ou refuser, commander autre chose. Donc on va faire façon un peu théâtre. Après on va rajouter un client, on va demander au client de se poser des questions un peu façon speed dating, et à la fin on a carrément une petite pièce de théâtre qu'on peut filmer. Il y a aussi une mise en situation de type entretien d'embauche, donc où vous avez trois employeurs et un employé. Donc ça, on fait ça plutôt en troisième au moment des rapports de stage en entreprise ou des stages en entreprise. Je ne sais pas si vous faites ça dans vos établissements aussi. Donc chaque employé va changer de table et va se retrouver à chaque fois avec trois nouveaux employeurs qui vont essayer de lui refourguer des cartes métiers où il va gagner plus ou moins de salaire, plus ou moins d'expérience. Et au fur et à mesure des entretiens d'embauche, il va avoir de plus en plus d'expérience. Donc, il va gagner des métiers de plus en plus cotés.
Vous avez aussi des jeux réalisés à partir de jeux vidéo. Donc, j'ai détourné des jeux vidéo type Minecraft ou Clash of Clans pour développer d'autres compétences. Donc, là, Minecraft, c'est les quantifieurs et Clash of Clans, c'est décrire ce qu'il y a dans un village, par exemple. Donc là aussi, j'ai détourné un jeu vidéo qui s'appelle StarCraft pour créer un jeu de stratégie où ils vont devoir se positionner faire des stratégies. Donc l'équipe adverse entend la stratégie de l'autre équipe et doit réagir en conséquence, acheter des unités qui va permettre de contrer, etc. Celui-là est assez compliqué, mais bon, il marche bien. Et enfin, en tout dernier, vous avez le jeu de rôle à l'ancienne, vous avez un maître de jeu, donc c'est le professeur, qui raconte une histoire en anglais. Les élèves ont juste une petite fiche avec du vocabulaire et doivent réagir à l'histoire. Donc là, il faut dessiner au tableau ce qui se passe et guider les élèves, et c'est assez intéressant. Bon, ça ne marche qu'en petits groupes d'une dizaine. Au-delà, c'est impossible à gérer en classe entière. Je reviens à la présentation initiale. Donc là, je vais passer un peu vite sur le projet collaboratif sur Harry Potter. Donc l'idée, c'est de pour les élèves de créer une école des sorciers. Donc, dans un premier temps, il y a un temps de préparation où ils vont devoir décrire, par exemple, les badges de Gryffondor, Serpentard et compagnie. Ils vont décrire l'uniforme. Donc, ça c'est plutôt en évaluation, plutôt en fin d'unité, puisqu'on a travaillé sur ça en classe avant. Ils vont décrire le règlement. Donc, là, ils doivent associer le règlement aux images. Et donc, dans un deuxième temps, il y a un travail collaboratif qui est fait où chaque groupe d'élèves, va devoir, il y a un groupe qui va créer le badge, un groupe qui va créer l'uniforme, un groupe qui va créer le matériel scolaire, etc., jusqu'au programme de PS. Par exemple, le programme de PS. Donc là, les consignes sont en français. Et une fois que le travail est fait, ils exportent sur Google Docs. Et après, on les met en compétition avec les autres classes. C'est-à-dire qu'il y a une classe, ça je fais ça en sixième, il y a une classe de sixième qui va créer un programme de PS et qui va créer son école, et l'autre classe de sixième aussi. Et à la fin de tout ça, on va voter quel est le meilleur programme de PS entre toutes les classes, quel est le meilleur badge, quel est le meilleur règlement, etc. Meilleur emploi du temps, la meilleure équipe de professeurs. Voilà pour ça. Je vois que l'heure tourne. Alors, je voulais vous parler un petit peu du projet européen que j'ai mené. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place à la fois gamification, gestes et voix. Donc, là, on a pendant le festival du premier film d'Annonay, on a accueilli une équipe espagnole et une équipe polonaise d'élèves. Donc, pour les préparer à voir les films, on a mis en place donc une journée de préparation. Donc, où on a fait ça en anglais. Donc, l'objectif, c'était ici de les sensibiliser un petit peu à la technique de cinéma. Donc, on les a fait travailler sur les raccords, match cuts, et aussi sur la structure du scénario, donc avec l'exposition, le conflit, le climax et la résolution. Donc là, c'est peut-être petit, mais il y a une image en haut à droite où vous voyez une scène du film donc My Extraordinary Summer with Tess qu'ils ont vu le lendemain. Donc, ils devaient tirer au sort un moment du scénario, que ce soit l'exposition, le climax, et jouer cette scène pour deviner au reste de la classe à quel moment du film c'était. Donc, je vais vous montrer un petit peu les résultats. Et dans un deuxième temps, ils devaient créer un mini storyboard en trois scènes et pour tourner la scène qu'ils venaient de jouer devant la classe et faire deviner à la classe quel raccord ils avaient utilisé. Donc, on va voir. Alors, attendez, c'est moyen. Alors, je ne sais pas pourquoi il me lance YouTube à tout prix. Non, c'est là. C'est là. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je vais avancer un petit peu parce que je suis un peu en retard sur ma présentation. Donc ça, c'est le cours sur les raccords. Je ne sais pas si ça va bien passer au niveau vidéo. Donc j'aurais fait mettre en scène les raccords, ça c'est raccord dans l'axe, ça c'est raccord regard, et ça c'est champ contre champ. Hello. Donc il y a une équipe qui est allée suivre une formation éducation aux médias pour apprendre à se servir des tablettes, apprendre à faire des montages vidéo sur. J'avance un petit peu pendant que l'autre groupe est resté avec moi pour faire la préparation au cinéma. Donc voilà, ça c'est un groupe qui joue une scène et qui doit faire deviner à la classe s'il s'agit de l'introduction, du climax, de l'action qui monte, de la résolution, etc.
Okay, you can applaud. À la fin de chaque scène, on applaudit et voilà, je fais deviner quel moment il s'agit. Ça, c'est que des groupes d'élèves de plusieurs nationalités. Ça les oblige à coopérer en anglais pour faire ça. Donc là, c'est la deuxième partie où ils préparent le storyboard et après ils vont tourner. Ils ont à peu près une demi-heure pour faire ça et ils montent directement sur la tablette. Ça, c'est le résultat. Avec les raccords qui ont été utilisés. Ces films, on les a projetés et les élèves ont dû deviner de quel raccord il s'agit. Ça, je les ai rajoutés en bas à gauche pour que ce soit bien clair. Voilà pour les résultats du groupe de ce matin-là. Donc sur cette mobilité-là, il y avait un deuxième objectif, c'était de... Donc là, je parle encore des outils numériques. Hein. J'ai donné une tablette à chaque groupe de 4 élèves. Donc les groupes étaient composés généralement de 2 élèves français, d'un polonais et d'un espagnol. Et ils devaient filmer toute la mobilité qui a duré une semaine. Sachant qu'après chaque film qu'ils voyaient, ils devaient faire un petit reportage sur le film, une petite interview pour parler du film. Donc il y avait 5 critères majeurs. Donc c'était le film, est-ce que ça leur avait plu ou pas, le meilleur acteur, la meilleure scène, et pourquoi est-ce qu'ils avaient aimé cette scène. Ils devaient répondre en parlant de la technique, donc tout ce qui est éclairage, effets sonores et choses comme ça. Ils devaient faire un petit résumé du film et ils devaient aussi parler du patrimoine culturel présent dans le film. Le dernier jour de la mobilité, donc ils ont eu pratiquement une demi-journée pour monter tout leur reportage, sachant qu'au milieu du reportage, on a fait aussi une visite de lieu et ils devaient faire un mini-reportage sur la visite. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça a donné. Je vais vous montrer directement à partir de la visite de Lyon et la petite interview de récapitulatif de film qu'il y a avec. Donc voilà, il y avait 10 groupes en tout. Ça, c'est le résultat d'un groupe. Ouais. C'est que des plans d'illustration à Lyon, donc montage très dynamique. Mais j'arrête. Do you remember? Yes. Fast. And between the Donc là, on voit une interview. You like this film? Yes, I love this film. This film is realistic, tragic, and ordinary because there's a lot of serious scenes and really sad. Je ne sais pas si vous avez le son. Moi, j'ai pas le retour. It's really tragic. What's the story? It's a man in a prison, and in this prison there is a program with horses. And Roman builds a relation with this horse. Bon voilà, on va pas faire tout en entier parce que c'est assez long. Mais bon voilà, dans l'idée, c'est à chaque fois vous avez un caméraman, un prompteur qui va poser les 5 questions clés, et puis 2 élèves qui vont discuter du film à partir d'une petite fiche où ils ont pris des notes. Et après, à chaque film qui voit pendant le festival, on tourne. Il y en a qui passent de l'autre côté de la caméra et les autres qui passent devant la caméra. Donc à la fin, l'idée, c'est de voter quel est le meilleur reportage. Donc ça, on a fait ça sur eTwinning. Je suis allé un peu trop vite. Bon, mais de toute façon, je vais passer à la dernière partie, la partie distancielle.
Tout à l'heure, je vous ai présenté un petit peu les différents guessing games qu'il était possible de faire en classe virtuelle. Donc, j'ai utilisé les outils du CNED, BB Collaborate, donc vraiment pour faire des jeux très simples avec les élèves connectés. Mais j'ai aussi développé des modes solo sous Geniali. Là, par exemple, pour Dungeon Master, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble beaucoup au mode classe. Alors, j'aimerais bien faire des escape games un petit peu dans ce thème-là. Mais je suis pas encore assez calé. Il faut encore que je me forme là-dessus, donc je profite d'être à Ludovia aussi pour ça. Donc là, par exemple, en mode entraînement, on va prendre tout à l'heure les attributs. Donc là, en mode solo, la mémorisation, c'est la même, sauf que là, vous avez le timer. Est-ce que je peux mettre en plein écran? Oui. Donc là, l'élève, il répète tout seul chez lui. Il clique, hein, il répète. Et au bout d'une minute, l'écran, il se noircit. Donc, il est obligé de cliquer sur Next. Et après, vous avez un challenge. Donc là, même chose, j'ai utilisé les outils Scape pour faire ça, qui sont très pratiques. Alors, j'ai oublié le nom de l'outil Scape. Je ne sais plus si c'est le CAC ou le quiz. Ils ont des noms pas possibles, ces outils. Donc là, il clique sur un son. Est-ce que tu peux mettre quel son il s'agit? Intelligent. Donc, c'est Intelligent. Donc, à ce moment-là, il va devoir rentrer le numéro 6 après le deuxième. Old. Il a dit quoi? Je demande Gold. À mon assistant. Gold. Gold. Donc là, il va mettre... Donc là, s'il se gourre, ça le fait retourner à la phase de mémorisation, etc. Donc il y a des challenges de plus en plus difficiles. Il y en a qui sont en temps limité, il y en a où ils doivent écrire le mot en entier, etc. Donc ça, c'est pour le mode un joueur en ligne, interface solo. J'ai fait à peu près le même système. Donc celui-là, j'ai testé aussi en retour de confinement avec des quatrièmes. Donc c'est une application sur le vocabulaire du voyage. Donc vous avez le vocabulaire du voyage. Donc là, par exemple, vous avez les transports. Donc il faut mémoriser pendant une minute, répéter, mémoriser, et après vous avez un petit challenge. Donc là, il y a un mot qui est dit. Je sais pas quel son a été dit. Take a train to. Donc je dois cliquer sur la bonne réponse. Là, il y a un autre mot. Donc, vous voyez aussi qu'il y a une petite barre de progression. Donc, ça, c'est important de mettre ça en place pour les élèves, pour toujours qu'ils aient un indicateur. Je reviens un petit peu sur ça. Donc, l'application ouverte façon sandbox, c'est que fin de cette unité, l'idée, c'est qu'ils préparent un projet de voyage. Donc, ils doivent choisir un pays et dans ce pays, ils doivent choisir trois villes. Donc, par exemple, là, ils vont prendre Japan, par exemple. Ils marquent leur destination. Ils marquent le nom des trois villes. Tokyo, Kyoto, je sais pas moi. Et Nagasaki. Je crois que je fais une faute. Et après, ils vont placer donc des activités. Donc ça, ils les ont appris donc par cœur. Ils savent exactement ce que ça veut dire. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, ils font une capture d'écran. Et ils vont le placer sous Google Drive. Ce qui permet, quand ils reviennent en classe... d'avoir la structure de leur exposé. J'arrive pas à coller. Si, ça y est. Ils vont avoir la structure de leur exposé plutôt que de venir en classe avec des notes et de lire leurs notes. Ils vont avoir ça au tableau et ils vont dire « When I am an adult, I will go to Japan. If I go to Japan, I will fly to Tokyo. » Alors, ils doivent choisir les transports, les activités. Voilà pour un petit peu pour ce genre d'application. On peut faire en distanciel. Après, vous avez tout ce qui est Kahoot et cuisinière. Donc, Kahoot, vous savez peut-être que maintenant, ils ont ouvert en distanciel. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Bon, j'imagine que tout le monde connaît ça maintenant. Alors, on peut le faire en présentiel aussi. Ça, c'est toujours sur le vocabulaire du voyage. Sauf que j'ai choisi sciemment que des verbes irréguliers. Donc là, ils choisissent une liste, par exemple les transports. Et... ils se connectent et ils peuvent jouer à Kahoot en distanciel. Donc là, il faut juste spécifier la date de fin de votre Kahoot. Ils sont mis en compétition avec les autres. Alors là, j'avais déjà commencé. Donc ça se présente comme ça. Par exemple, pour les verbes irréguliers, pour choisir de chevaucher, ride, je crois que c'est celui-là. Ah non, je me suis gouré. Donc le prof d'anglais, il est nul. Ah ben non, mais c'est les mêmes. Hein. Petite erreur de ma part. Bref, vous avez à chaque fois une dizaine de questions. En Kahoot. Je reviens sur ça. Cuisinière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil que j'ai le plus utilisé à distance. Le gros avantage, c'est que pour les profs de langue, les élèves peuvent s'enregistrer directement sous Cuisinière.
ne sont pas obligés d'uploader un MP3. Ils peuvent aussi répondre du texte. Donc là, c'est sur le projet de voyage. Donc là, par exemple, là, une élève qui a choisi d'aller en Australie à ses 18 ans, elle a fait des petites recherches sur l'Australie, le nombre d'habitants, etc. Les villes qu'elle va visiter et ce qu'elle va faire dans chaque ville. Et là, elle peut aussi faire une présentation orale. Là, j'avais demandé quelque chose d'écrit. Donc, vous pouvez automatiser les réponses, mais vous pouvez aussi laisser des réponses ouvertes que vous évaluez avec des petits smileys, comme ça. Et vous avez un score et vous savez exactement qui s'est connecté et qui a fait l'exercice. Donc, pour le point de vue de l'évaluation, c'est très intéressant en distanciel. Et en dernier, j'ai utilisé Padlet donc pour mon projet européen. Donc, on a fait un atelier de sous-titrage en distanciel. Donc, on a, comment il s'appelle déjà? Guillaume Laurent, donc le scénariste d'Amélie Poulain, qui nous a fait l'honneur de venir dans notre établissement. Donc, les élèves l'ont filmé, l'ont interviewé en français. Et pour partager avec les élèves polonais et espagnols, bulgares de notre projet, ben, on sous-titre systématiquement tous les reportages qu'on fait. Soit on les fait directement en anglais, soit on les sous-titre. Et là, ben, et moi, j'ai rajouté dans la vidéo des nombres. Alors, j'espère que ça va marcher. Là, au niveau du chargement, c'est un peu long. Donc, vous voyez là, vous avez, par exemple, partie 12. Etc. Donc, sur le Padlet, les élèves, eux, ils choisissaient la partie qu'ils voulaient traduire. En une ou deux phrases, il devait résumer ce qui était dit, parce que Guillaume Laurent, c'est quelqu'un qui digresse beaucoup, donc il fallait vraiment résumer l'essentiel de l'idée et traduire. Et ensuite, quand on est revenu en présence, ben avec leur tablette, et ils ont incrusté les sous-titrages. Donc le résultat définitif est là. Vous pouvez le voir sur mon. Je l'ai mis aussi, je l'ai épinglé sur mon compte Twitter, cette vidéo. Ah, YouTube, c'est un petit peu difficile aujourd'hui. Dans donc voilà, après chaque phrase a été réinclée à la fin. Donc même chose avec Padlet, on a préparé un reportage, parce que dans le projet Erasmus, on tourne un film avec les élèves sur le patrimoine culturel européen, un court-métrage, et il faut aussi faire un reportage dessus. Et là, donc, il fallait que les élèves à distance préparent des questions donc pour le propriétaire du château dans lequel on a tourné. Il fallait aussi qu'il prépare des recherches sur la famille Séguin, donc sur lequel on a travaillé avec le prof d'histoire. Et il devait aussi parler de Raoul de Warenne, qui est un écrivain local, duquel on s'est inspiré pour faire le scénario du film. Et à la fin, une fois qu'on était sur place, les élèves se sont connectés sur le Padlet et se sont servis de ce que les autres avaient préparé à distance, qui n'était pas forcément là sur le tournage d'ailleurs. Par exemple, ils ont interviewé le propriétaire de sound engineer. I'm working in concert. Super accent anglais. Attends, entertainment stuff. Et après, ils ont fait mini reportage sur la maison et sur la famille Séguin et compagnie. Je vous montre pas tout parce que c'est très long et que j'ai déjà beaucoup grignoté sur mon temps. Merci de votre patience. Voilà. Et les modules Skype. Voilà. Donc, Kaout et cuisinière, comme je vous ai dit, c'est plutôt pour l'évaluation et le monitoring. Donc, j'utilise beaucoup le vidéoprojecteur dans ma pratique, comme vous l'aviez deviné. Utilisateur et la différenciation. Rien de particulier à rajouter là-dessus. Hein. Pour ma synthèse, voilà, je reviens donc à l'idée d'une gamification qui soit vraiment pour les apprentissages et pas uniquement pour l'évaluation, aller au-delà du. Et pour tout ce que j'ai mis en place dans mon projet européen et cinéma, donc vraiment intégrer un numérique qui soit créatif où les élèves font quelque chose avec et qui soit au service des fondamentaux, donc en l'occurrence l'histoire, l'anglais et la technique cinématographique. Donc je vous remercie pour votre patience. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par le chat puisque j'ai mon collaborateur qui surveille ça. Merci Mathieu de ton attention et de ta patience. J'ai beaucoup parlé. Voilà. Je vais peut-être revenir en.
Merci BCBR. Donc après, si vous avez des... Alors, l'année dernière, j'étais venu présenter le projet ISTAF et la façon de monter un projet Erasmus en utilisant le numérique justement pour l'apprentissage des fondamentaux. Donc ça doit toujours être en ligne sur le Ludovia 16. Donc j'ai mis toutes les ressources à disposition, si ça vous intéresse. Si vous souhaitez monter un projet Erasmus, alors c'est un gros boulot de monter un projet Erasmus, je vous le cache pas. De gérer 6 établissements à la fois, c'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant pour les élèves et ça leur a beaucoup apporté. Oui, je vais le taper direct sur le chat. Alors Bobby3, bo2b@hotmail.com. J'ai une adresse Gmail aussi, mais bon, celle-là est plus près. C'est celle que je consulte le plus. Voilà, vous avez l'adresse que Virgile a mis en ligne. J'espère que ça vous aura apporté quelques idées, effectivement. N'hésitez pas à me contacter. Hein. Donc là, voilà pour le projet ISTAF. Normalement, l'objectif du projet, c'est au Parlement européen de Strasbourg pour présenter tous les films qui ont été tournés par tous les établissements pendant 2 ans. Donc là, alors les modules Escape, ils sont pas directement sur Geniali. Vous pouvez les trouver sur leur site. Après, sur Twitter, je suis abonné à leur fil et régulièrement, ils publient, mettent à jour leurs modules. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il propose un Geniali qui est réutilisable. Donc, quand vous cliquez sur le bouton réutiliser, ça se met dans votre compte Geniali. Et après, vous avez le Geniali que vous pouvez réutiliser par du copier-coller. Il y en a qui sont plus faciles à utiliser que d'autres. C'est en constante évolution, c'est très intéressant. Donc, avec eux, là, on a développé le RND, le randomisateur dont j'avais besoin pour Dungeon Master. Donc, je les remercie à nouveau, mais j'ai utilisé vraiment presque tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici, à un moment ou à un autre de mes créations. Voilà. Donc, j'utilise un compte Master Geniali. J'ai abonné mon établissement en toute fin d'année. Mais avec les comptes de base, on peut faire déjà beaucoup de choses. Je voulais quand même un compte premium parce que nous, en tant que prof de langue, on peut importer directement les sons qu'on a. Parce qu'avec les comptes débutants, les comptes gratuits, on peut pas. Il faut aller récupérer les sons sur SoundCloud, je crois. On peut pas importer les sons directement. C'est vrai que ça, c'est pour ça que j'ai choisi Geniali pour développer tout ça. Geniali, ça fait peine. J'ai commencé début juin à utiliser ça. Je tenais à remercier aussi Madame Bultel de Croix qui m'a initié à ça et à de nombreux supports numériques et de nombreux réseaux sociaux que je connaissais assez peu. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Ludovia l'année dernière, donc je lui dédie cette présentation. Geniali, c'est top. Alors, c'est clair. Il y a une dizaine d'années, même plus que ça, je codais en Flash. Et aujourd'hui, c'est devenu obsolète, malheureusement. Et c'est vrai que Geniali, c'est quand même un cran en dessous. C'est assez limité. C'est très bien pour faire des diaporamas interactifs. Notamment. Et alors après, c'est vrai que pour toute gamification et notamment utilisation solo, il faut vraiment utiliser les modules Escape pour diversifier un petit peu les possibilités. Notamment la randomisation, les questionnaires à choix multiples et tout ce qui est saisie et vérification d'informations. Par contre, Geniali ne permet pas d'évaluer et de faire du monitoring. Vous savez pas qui s'est connecté. Donc là, faut utiliser autre chose. Et oui, mais merci de votre attention. De toute façon, c'est faisant en day. On a largement dépassé le temps imparti. Donc là, Sonia a envoyé un lien. De quoi s'agit-il comme lien? De la fiction et des documentaires. Ça, c'est super, ça. Tu pourras m'envoyer le lien, s'il te plaît. Merci pour le lien, Sonia. Tu me l'envoies sur Twitter. Bon, du coup, on va peut-être arrêter l'enregistrement, non?
Voilà, bah écoutez, merci en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez une dernière question. Je prends encore une dernière question. D'accord. Ok. Bon. Ben, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Pour ceux qui sont au Canada, ben, une bonne journée. Merci.